Et bonsoir tout le monde, les CPH pour vous, de retour pour un beau break, le 3 de 1, number 3, 2, 1. Et on est parti pour la soirée. Il nous reste le deuxième break de ce soir de prévu, le numéro 322. 322, si vous le souhaitez, il est en cours. Jusqu'aux dernières nouvelles, il restait encore une dizaine de places, pour ne pas dire un chiffre stupide, je vais vous le dire immédiatement, donc c'est 14. Alors 14 et ce break aura lieu après celui-ci, en théorie, donc à 21h15 environ, si la tendance se maintient. Hein? Vous avez entendu ça si vous avez regardé les élections de l'Ontario récemment. Alors, laissez-moi une petite seconde. Vous souhaitez, comme il faut, la bienvenue chez Stack.ca. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que vendredi dernier, on n'a malheureusement pas vécu notre merveilleux et habituel rendez-vous du Friday Night Live. Alors, bien, je vous promets qu'on va se reprendre cette semaine, puisqu'on a des surprises. Ouh, des grosses surprises. Oui, en effet, quand je dis surprise, ben, c'est pas une si grosse, parce que ben, pendant le monde sont déjà au courant. Mais attendez-moi une petite seconde. J'ai des gens ici qui veulent une petite information. Je crois que quelqu'un m'a dit mets-moi-en un. Alors, si on me dit mets-moi-en un, je dois voir c'est qui. Alors, c'est une petite seconde. C'est en train de. Voilà, ça c'est connecté. C'est parfait. On met ça en bas. Alors, si c'est pas trop tard, Gérard. Mais non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Attends-moi 30 secondes. Salut, mon Joe! Double J Joe. Alors, si tout le monde me le pardonne, je vais seulement aller faire mon devoir. Hey Mathieu, comment ça va Mathieu? Alors, avant de lancer les hostilités, je vais juste faire ma tâche. Voilà. Eh bien, Gérard, tu devrais recevoir la notification dans quelques instants. Alors, je clique ici. Alors, une fois. Eh bien, ça fait plaisir, Maxime. Ça fait plaisir. Un énorme plaisir. Voilà, donc, Gérard, c'est fait. Je clique sur le bouton et voilà, tu vas recevoir la notification dans quelques instants. Hey, Monique. Salut, Monique. À plus, tu viendras m'écrire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas un peu parlé. Alors, on jasera si tu as le temps, sinon on fera ça peut-être au courant de la journée de demain. Voilà pour le spot de Gérard, c'est fait. Alors, si la tendance se maintient, on en est qu'à 13 places. 13, 13, 13. Donc, un plein, pas plein. Est-ce qu'il y aura des places qui seront tirées parmi tous les participants à suivre? C'est parfait, Maxime, c'est très gentil, très très gentil. Et Mathieu, oui, ça va très bien, ça va très très bien. Un petit peu épuisé, mais c'est le fun, c'est le fun. Toronto, c'était vraiment plaisant pour ceux qui auraient des questions. C'était vraiment le fun. On a eu beaucoup beaucoup de gens qui nous ont rencontrés, qui sont venus nous voir. On a eu la chance de voir, acheter, vendre plein de belles cartes, plein de choses. Alors, sans plus tarder. Bien, je vous lance le brassage. Ça se pourrait que la machine ait un petit temps de réaction. Oui, non! Oh, elle ne l'a pas! On va festoyer ça. Et c'est grâce à Pikachu, ici présent, qui vous souhaite à tous et à toutes la plus grande des chances. Alors, c'est un départ pour le premier tour de Montréal jusqu'à Carolina. On y va pour le deuxième tour de Toronto jusqu'à Chicago. Et on y va pour le troisième et dernier tour de nos équipes. Et voilà là. C'est fait de Boston jusqu'à la Caroline, qui est restée tout en bas à la suite de ce troisième tour. Allons-y maintenant pour nos participants. C'est un départ de Hugo jusqu'à François Pay. Salut Sylvain. Oui, ça va, ça va. Toi aussi, ça va malgré l'indisponibilité. Le deuxième tour amène Hugo au sommet et François Pay toujours en bas. Et on y va avec le troisième et dernier tour de François, excusez-moi, qui revient tout en haut. Et on termine avec Frédéric G. Ça doit être Fred, ceci. Alors voilà, j'ai des gens qui répondent à l'appel pour une place supplémentaire dans le break numéro 322. Alors, qu'est-ce qu'on. Avant de passer en mode carte, première surprise,
qui n'en est pas une, mais qui n'en est une, peut-être que tu ne le saviez pas. Série 2. Donc ça, c'est série 1. Série 2, c'est officiel, c'est annoncé. La checklist est même sortie. On parle du 15 juin. 15 juin, c'est-à-dire dans 8 jours. 8 jours. C'est-à-dire, donc, on peut parler d'une semaine. Donc, de retour de l'autre côté pour le mode carte. La suite de cette surprise. Un petit pouce, deux pouces. Alors, la surprise numéro 2 par rapport à cette nouvelle, eh bien, c'est que nous allons vous poster assez rapidement, probablement dès la journée de demain, notre premier break en team random pour la série 2, en avance de 7 jours pour la sortie tant attendue de la série 2. Et je vous laisse la surprise de deviner qui, quoi, donc où, qui a dans cette édition. Mais on peut certainement parler de Alex Newhook, Quinton Byfield, Moritz Seider, Lucas Raymond. On a, j'oublie toujours son prénom, mais Lundell en Floride. On a également Maxime. Oh, comment il s'appelle là? Ça vient à faire Washington. Là. J'ai juste Maxence dans la tête là. Pas Maxence Perrault. Oui, bo boy. Bref, vous savez sûrement de qui je parle. Rien. Son nom m'échappe. Mais lui, de Washington, un Québécois. Hendrix Philippe. Non, Hendrix. Hendrix. Il y a Mason McTavish également. Jérémy, tout à fait raison. Alors, allons-y avec la répartition des équipes. Hendrix. Exactement. Merci beaucoup, Dominique. Je sais, quand tu m'écoutes, je sais que quand j'ai une question, tu seras toujours là pour me répondre. Hendrix Lapierre, merci beaucoup. Très, très gentil. Donc, Hendrix Lapierre qui sera bel et bien présent pour les Caps de Washington dans la série 2. J'ai déjà fait un peu mon petit tour sur les équipes qui n'auront pas de Young Gun. Alors, on va regarder ça de la façon le mieux possible. Sachez par contre qu'il y aura du nouveau, puisque Seattle auront leur première carte officiellement. Il n'y aura pas de Young Gun, mais il y aura des inserts. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la série 1 de Cole Lind, appartenant aux Canucks de Vancouver. Eh bien, Cole Lind est maintenant à l'organisation des Kraken de Seattle. Donc, il y aura des cartes à l'effigie de Cole Lind, mais dans l'uniforme des Kraken. Alors, c'est parti pour la répartition. Bonne chance à tous. Anaheim pour Steve, l'Arizona pour François, Boston, François, Buffalo, Louis-Philippe, Calgary pour François, Caroline, Fred, Chicago, Christian, Colorado, Christian, la Columbus à Vince, Dallas pour Mathieu, Détroit pour Mathieu, Vince pour Edmonton, la Floride pour Dominique, LA pour André, Minnesota pour François, Montréal pour Jonathan, on a les Islanders pour David. Et bien sûr, de la part de Jean, il souhaite la plus grande des chances à tout le monde de la gang. Yes, bonne chance à toi aussi, Jean, si tu es là, je crois, mais on va te voir. Oui, tu es là. Alors, on continue la répartition avec les Rangers pour Martin S.I. Martin, Nashville pour Michael, New Jersey pour Kevin, qui fait un retour. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas croisé, Kevin. Bien, re-bienvenue, Vince avec Ottawa. Hugo, les Flyers et les Penguins de Pittsburgh. Nous avons San Jose pour Double J Joe. Saint-Louis pour Jason. Tampa Bay Vince. Toronto pour Jean. Vancouver, PJ Vegas. Frédéric Stéphane pour les Caps. Et Winnipeg pour Gérard. Alors, les jeux sont faits. Rien ne va plus. On y va pour la première série 1. Et comment passer sous silence? Comment passer? C'est pas les codes-barres qu'on veut. C'est ça, on veut que ce soit cute un peu. Voilà. Alors, comment penser sous silence la présence de notre podium de la gloire qui nous accompagne dans chacun de nos breaks sur les ondes de stack.ca. Alors voilà, c'est parti tout le monde. Bon, on s'est ennuyé de vous. Moi aussi, je me suis beaucoup ennuyé de vous. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, malgré une journée de congé aujourd'hui, quand même me permettre une ouverture de boîte avec vous. Alors c'est parti, boîte vide ici. On y va. On nettoie un peu la surface. Alors, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. C'est donc un départ. On m'envoie des petits points d'interrogation. Ah oui, ça a bien été à Toronto. Et écoute, c'est toujours une belle expérience. On rencontre des gens, on voit beaucoup, beaucoup de cartes, beaucoup de chants, beaucoup de choses. Rookie Retrospective de Jake Oettinger pour les Stars de Dallas. Mais somme toute, ça a été très, très, très intéressant, très bénéfique également de rencontrer des gens qu'on souhaitait rencontrer. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant, étant donné que je ne veux pas faire de jaloux ou de jalouse. Alex Debrincat,
Il y a Dazzlers pour les Blackhawks de Chicago. Dazzlers Blue pour les Blackhawks. J'ai vraiment un petit peu de travail à faire avec mon éclairage. Quelque chose qui a bougé récemment. On continue avec une Young Gun Alex Bariboulet pour le Lightning de Tampa Bay. Ah ouais, ça a été vraiment une belle expérience. C'est très exigeant, là, on se le cachera pas. C'est le fun de jaser, parler du port de cartes et tout ça, mais beaucoup de travail. Alex Bariboulet pour le Lightning de Tampa Bay. Je pense que j'ai une bonne idée. Parce que j'avais un écran qui me cachait. Et là, j'ai décidé de remettre l'écran dans le bon sens. Max Pacioretty pour les Golden Knights de Vegas Portraits. Alors, je vais probablement mettre juste un genre de panneau ou une planche de carton devant pour qu'elle puisse passer. Et nous avons une Rasmus Kupari. C'est pour les Kings de Los Angeles. Rasmus Kupari. Alors, plusieurs personnes m'avaient demandé des petits services, savoir si je pouvais regarder pour une carte ci ou une carte ça. Écoutez, je vais être honnête avec vous, là, j'ai fait très peu de tournées pour voir ce que je pouvais. Et malgré tout, j'ai eu en tête toutes vos demandes et je n'ai rien trouvé. Je suis sincèrement désolé. Mitch Marner Canvas pour les Maple Leafs de Toronto. Ce n'est que partie remise, je vous le promets. Je garde les yeux ouverts, je garde vos demandes en tête. Et si jamais je voyais quelque chose passer entre-temps, c'est sûr que je vous ferai signe. Debut date de Tim Stutzley pour les Sénateurs d'Ottawa. Le prochain podcast, c'est une Young Gun. Cam Yar. Oh non, ben non, ben non, ben non. C'est une Jeanne Lou. C'est pour les Flyers de Philadelphie de Hugo. Ah oui, donc. Jeanne Lou, Cam York, le futur défenseur des Flyers de Philadelphie. Je dis futur, il a quand même joué quelques matchs, mais disons qu'il appartient plus au futur qu'autre chose. Félicitations, Hugo, Cam York, Jeanne Lou. Jeanne Loups. Alors déjà, ça commence bien, une Jeanne Lou. Dans notre première boîte, on enchaîne avec une Michael Hauser pour les Sabres de Buffalo. Young Gun Michael Hauser. Alors, ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans l'événement du... j'allais dire l'anti-expo, je suis désolé, mais bien de... L'expo, le Card Show Expo de Toronto. Sachez qu'il y en a deux par année. Il y en a même un troisième, mais celui-ci se tient à Edmonton, ou peut-être même qu'il y en a deux, lui aussi. Je pense qu'il y en a deux à Toronto et deux à Edmonton également. Alors Edmonton, c'est pas dans nos projets présentement. Yuli Portrait pour les Rangers, Artemi Panarin. Artemi Panarin. Disons qu'Edmonton, c'est pas vraiment à la porte, c'est assez loin, un gros trajet. Young Gun pour les Blues de Saint-Louis, Dakota Joshua. Dakota Joshua pour les Blues de Saint-Louis de Jason. Come on, Dakota Joshua, Young Gun numéro 4. Naturellement, on ne compte pas la Jeanne Lou pour notre ratio moyen de 6 Young Gun, mais on en a eu 4 en 11 paquets plus une Jeanne Lou. C'est un pas pire ratio à date. Souhaitons que ce soit une boîte magique. Mikko Rantanen, Canvas pour le Colorado. Et avouons-le, si vous n'aviez pas regardé un match de l'Avalanche en séries éliminatoires, eh bien vous aurez l'occasion de le faire puisqu'ils se rendent en finale de la Coupe Stanley. Félicitations à l'Avalanche. Ici pour les Preds de Nashville, Tanner Jeannot. Et ça appartient ici à Michael. Alors Michael, tu feras juste un peu attention. On dirait que les edges sont très très rough. Alors, il n'est pas si pire dans l'ensemble, mais... quand même beaucoup de blanc sur les côtés. Peut-être juste glisser un petit peu le doigt sur les edges très 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 légèrement pour pas les abîmer. Peut-être que ton blanc pourrait s'en aller, mais sinon touche pas à ça, laisse ça comme ça. Puis bien, il y a quand même du potentiel. On a une clear cut, une base clear cut pour les Blues de Saint-Louis, Tory Krug. Alors pour Saint-Louis, Tory Krug. C'est pour Jason. Tory Krug.
Et je tiens aussi à faire une mini-annonce. C'est pas une grosse annonce, là, mais c'est pour vous dire que la semaine dernière, juste avant de quitter, mercredi, on avait fait deux breaks, un de baseball et un de hockey. Et ne soyez pas surpris, les cartes n'ont malheureusement pas encore été expédiées. Philippe Dano, Hundopi, pour le Canadien de Montréal. Alors ne soyez pas stressés, je vous promets, demain. Demain, tout est parti. Tout est déjà trié, classé. Il ne reste qu'à mettre dans les enveloppes et l'expédier. Brad Marchand, honor roll pour les Bruins de Boston. Alors, ce sera chose faite dès demain, incluant le blé break de ce soir. Josh Norris, electromagnetic pour les Sénateurs d'Ottawa. Alors là, on est dans la pile qui n'a pas de Young Gun. Il en reste probablement une à sortir au moins. Canvas Yevgeny Malkin pour les Pingouins de Pittsburgh, les 4 fers en l'air. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Allons-y. Et c'est une Young Gun, Kyle Burrows pour l'Avalanche du Colorado. Kyle Burrows. Est-ce qu'il y en a qui regardent le match présentement entre les Rangers et le Lightning? Kyle Burrows, Young Gun pour l'Avalanche. Des fois, j'aime pas ça demander le score parce que des fois, il y a des gens qui l'enregistrent ou veulent l'écouter plus tard. Mais si jamais c'est le cas, manifestez-vous et je trouverai une façon de m'informer en temps et lieu. Et nous avons une carte numérotée et une Portraits Black and White pour les Golden Knights de Vegas. Merci beaucoup, Dominique, pour le update. Robin Leonard. Ben non, il n'y a pas de hoops. Au pire, à ce moment-ci, c'est pas si pire. Ce serait à la fin du match que ça serait plus terrible pour 7 ou 7 personnes. Alors, c'est une carte numérotée 226 sur 250 pour les Golden Knights de Vegas de Frédéric. Robin Leonard, Black and White. Black and White, Robin Leonard. On va mettre ça ici en attendant le mélange du podium de la gloire. Alors, merci beaucoup, Dominique. À date, personne ne semble s'être manifesté de ne pas marquer les scores. Alors, si jamais ça t'intéresse, moi, ça m'intéresse de le savoir. Rookie Retrospective, Alex Nedeljkovic pour les Hurricanes. Ça s'en vient, mon Mathieu, ça s'en vient, Détroit. Ça s'en vient, check bien ça. Détroit. Et non, Washington, John Carlson, Honor Roll. L'avant-dernier paquet de cette première boîte hobby. Allons-y avec une Hundo P. Milan Lucic pour les Flames de Calgary. Et le dernier Paca, le numéro 24, première boîte de 4 diges. Et c'est une canvas de Victor Olofsson qui joue à saute-mouton pour les Sabres de Buffalo. Ça aurait pu, mon Mathieu. Ça a passé proche. Alors, deuxième boîte, série 1. Juste ici. C'est fait. Ah ouais, non, maudit plastique. Et voilà pour les 12 premiers et les 12 derniers. Mis ici, boîte vide. Oh, Kevin, c'est juste la première boîte, là. C'est juste la première boîte, là. Alors, ça ici, son garde, pas et son garde. Voilà. Alors, on va mettre ça de cette façon. Et juste pour le fun, Cam York qui va aller en pénitence de l'autre côté tout seul. Alors, voilà, on met ça de côté. On est prêt pour la deuxième boîte. Je peux faire ça, Mathieu. Est-ce que tu me permets de. Là, je suis en train d'ouvrir, fait que je vais juste ouvrir quelques paquets, puis peut-être après la boîte, si tu n'as pas le temps, je vais t'arranger ça. Ce sera pas très long. Vegas Electromagnetic chez Theodore. Sinon, je sais pas si... Non, je vais t'arranger ça. Ce sera pas très très long. Okay? Une Dazzlers pour les Bruins de Boston. Jeremy Swayman. Dazzlers Blue. Alors, Jeremy Swayman, Dazzlers Blue pour les Bruins. Si jamais, je fais un deal avec toi, Mathieu. Okay. Si on a une carte
de Détroit d'ici la fin de cette boîte. Aussitôt qu'on a la carte, je t'achète ta place. C'est un deal, ça? C'est dans la fin de la boîte, promis, on y va. Dakota Joshua pour les Blues de Saint-Louis, numéro 2. Young Gun de Dakota Joshua. On continue ici avec une portrait, Miro Heiskanen pour les Stars de Dallas. Ah, c'est fait, Mathieu. Good job, merci. On a une Young Gun, et bien, surprise, Alex Barry-Boulet. Et là, ça promet. On aurait dit qu'on aurait le même pattern. Alors, on a un petit jumeau pour le Lightning, Alex Barry-Boulet. Je ne le mets pas sur le podium, mais qui est déjà là une fois. Attendez-moi une seconde, j'ai un petit cil. Ah, désolé, qui me chatouillait. On continue. On a une... Oh, Young Gun Canvas. Alex Barry-Boulet, c'est le festival du Lightning. Barry-Boulet. Alors, pour le Lightning, la Young Gun Canvas. Young Gun Canvas, Alex Barry-Boulet. Pour le Lightning. Juste pour le fun. Thunder. Tiens, Thunder pour le Lightning. Alors, le Lightning de Vince. On est rendu à trois fois. Un des Barry-Boulet. Deux Young Guns et une Canvas. Hondo P. Roman Yossi pour les Preds de Nashville. Le prochain paquet semble être une variante française ici de Shea Weber, Canadien de Montréal. Shea Weber, pour Montréal. Est-ce qu'il partira officiellement avec son contrat sous d'autres cieux, puisqu'il semble que sa carrière soit vraisemblablement terminée? Oh, Jack Aiken, une petite variante avec la boîte précédente pour les Bruins de Boston. Jack Aiken. Je ne sais pas si vous dites Aiken ou Aiken. Young Gun pour les Bruins. Il vient de Savage. Au Minnesota. Jack Aiken. Jack Aiken. Ça sent drôle. Hein? Le prochain paquet ici, une portrait de Darnell Nurse pour les Oilers d'Edmonton. Ensuite, on a une Young Gun. Zach Jones pour les Rangers. Une autre variante. Je parle de la boîte. Là. Boîte numéro 2. On a commencé avec les deux mêmes Young Guns. Mais au moins les deux suivantes n'étaient pas les mêmes. Zach Jones pour les Rangers. Aiken, Apple, Caulfield. Oh, on demande Caulfield. On continue avec une canvas de Igor Shesterkin pour les Rangers. J'aime vraiment cette photo-là. Elle est vraiment belle. Igor Shesterkin. Canvas pour les Rangers. On enchaîne avec Boum pour le Canadien de Montréal. Est-ce que je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Mais non, c'est Jean qui vous l'avait dit. Boum pour Montréal. Cole Caulfield. Ah oui donc, pour le Canadien de Montréal. Et c'est fait. Et elle semble quand même assez belle pour le Canadien de Montréal de Jonathan. Kébu! Yes sir mon Mathieu, il y aura du coco. Canvas dans la série 2. Alors mon Jean là, je pense que Jonathan t'en doit une. Félicitations Jonathan pour cette belle carte et surtout Jean de l'avoir collé. Félicitations. Félicitations. Ouais, encore du coco. On aime ça voir du Cole Caulfield pour le Canadien de Montréal. On continue, ce n'est pas terminé. Il reste encore environ une dizaine de paquets, je crois.
Alors, on continue avec une Mark Giordano. Mark Giordano UD Game Jersey pour les Flames. Le défenseur des Flames, Mark Giordano. UD Game Jersey. Faudrait qu'il donne son accord, par exemple. Hein? Faudrait qu'il dise « Ah oh, oui, oui, pas de problème. » Debut date pour les Islanders, Ilya Sorokin. Mais si jamais je l'attends, il est d'accord. Moi, je n'ai pas de problème. Mais j'ai des petits doutes. J'ai des petits doutes. Honor Roll, Quinn Hughes pour Vancouver. Quinn Hughes. On enchaîne avec le prochain paquet ici. Rookie Retrospective de Keandre Miller pour les Rangers. Le prochain paquet. Ici, une canvas de Braden Holtby pour les Canucks de Vancouver. Alors, Jérémy confirme ce que j'ai dit un peu plus tôt. Il y aura bel et bien une Caulfield canvas dans la série 2. Et on a une Young Gun ici de Matt Kierstead pour les Panthers. Pour les Panthers. Matt Kierstead. Alors, mon Kevin, en passant, juste te dire, le New Jersey, tu auras de belles espérances avec leaderboard de stature. J'ai vu beaucoup de cartes du New Jersey sortir de ces boîtes. 2, 3, 4, 5. On a 5 paquets de série 1. Et ensuite, on termine avec les deux boîtes de stature. Alors, on y va avec une gold de Ty Smith, Debut Dates. Alors, il fallait qu'on en parle. Déjà, une carte pour les Devils. Mathieu, Ty Smith, excusez-moi. Je lisais en même temps que je pensais. Ty Smith. Et on continue avec ce paquet, une Joel Farabee Electromagnetic pour les Flyers. Ce serait le fun. Finir ça avec une petite eyeglass. Oh, une Clear Cut. Pourquoi pas une petite exclusive aussi, hein? Un petit peu, quelque chose dans ce range-là serait le fun. Jay Gensel Honor Roll pour les Penguins de Pittsburgh. Deux paquets. On ne veut pas finir ça sur une Hundo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, let's go. Et on a une rookie, debut date, excusez-moi, debut date de Pierre-Olivier Joseph, POJ, pour les Penguins de Pittsburgh. Et le dernier paquet, s'il vous plaît, pas une Hundo P. Et non, c'est une canvas. Par contre, Dylan Larkin pour les Red Wings de Détroit. Donc, enchaînons avec la première stature. On va mettre l'autre juste ici, comme ça. Comme ça. Elle va rester bien en vue. En voilà pour cette première stature. La boîte vide ici. J'ai un decoy qui va faire le travail à ma place. Donc, on dit go Toronto time. Et je te le souhaite, Jean. Tu as appelé l'âme de Caulfield. Alors, il est temps que tu appelles l'âme de Toronto. 2, 4, 6, 8, 9. 9 cartes pour vous. Et ça, c'est un petit bonus. Petit bonus intéressant. 9 cartes. Allons-y avec la première. Et c'est parti. Ilya Samsonov pour les Caps de Washington. Ilya Samsonov pour les Caps de Washington. Prochaine carte de base. Voilà, et elle est pour les Canucks de Vancouver. Henrik, oui, j'allais dire Henrik. Il pense à moi, Henrik. Henrik Lundqvist. Mais non, Henrik Sedin. Et Henrik pense tous à moi. Désolé. Henrik Sedin pour les Canucks de Vancouver. Carte suivante, on devrait tomber à une carte numérotée. Et c'est le cas pour les Stars de Dallas, Jason Robertson. C'est numéroté sur 399 pour notre cher ami Mathieu. Alors, pour Mathieu, numéroté sur 399. Jason Robertson, numéroté 235 sur 399. Tiens, va prendre ta place ici, mon Jason.
La carte suivante, on y va avec une Anthony Angelo pour les Penguins de Pittsburgh. Pour Pittsburgh, de Hugo. Anthony Angelo, rookie, numéroté sur 399. Belle carte, mon Mathieu, félicitations. Alors 183 sur 399 pour les Penguins de Pittsburgh. Carte suivante. Oh, c'est bien ça, c'est numéroté. C'est pour les Bruins de Boston. Bobby Orr, numéroté 79 sur 149. C'est pour les Bruins Century Momentus. Et voilà pour les Bruins de François. Bobby Orr. Ça manque de requins. Arr. Bobby Orr, Century Momentus, numéroté ici 79. Voilà, 79 sur 149. Bobby Orr. Voilà ici pour Bobby. La prochaine pour les Blackhawks de Chicago. Reese Johnson, rookie. Pour les Blackhawks, Reese Johnson. Et c'est pour Christian. Une recrue numérotée sur 175. Le numéro 18 de 175. Reese Johnson. Est-ce qu'on a deux autos ou une seule? On a deux autos, dont une update. Alors, on s'en va tout en dessous pour voir une carte protégée. Les Oilers d'Edmonton. Ryan McLeod. Alors pour les Oilers, Ryan McLeod. Ça s'en va à Vince. Protégé, Stature, Ryan McLeod. Rookie. Alors, on va aller voir la update en premier lieu. De qui s'agit-il? Et c'est pour l'Arizona, Barrett Hayton. Alors, c'est une rookie. Autographe pour l'Arizona, Barrett Hayton. Numéroté 17 de 199. Pour les Coyotes de l'Arizona, qui appartiennent à François Barrett Hayton, BH 29 pour le numéro 29, numéroté 17. Voilà, 17 de 199 pour les Coyotes. Dernière carte de cette première boîte de stature. Êtes-vous prêts? Et c'est pour les Caps de Washington, Alexander Alexiev sur 199. Rookie autograph pour les Caps. Ah ouais donc! Une bonne main d'applaudissement pour Stéphane. Alexander Alexiev. Sur, c'est la 128 de 199 ici si on regarde dans le bas. 128 de 199. Alexander Alexiev. Pour Washington. Oh, on dirait qu'elle est pesante celle-là. Est-ce que c'est une impression? Ou elle est vraiment un petit peu plus pesante. Alors, allons voir cela à l'instant. Boîte vide. Je vous rappelle que le break numéro 322 suivra tout de suite après en formule plein, pas plein. Si ce n'est pas déjà plein, bien sûr. Si ce n'est pas plein, je vous conseille fortement d'aller chercher vos places puisque nous devrions être en direct dans environ 10 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a 8 cartes, semble pas avoir de patch. Alors, c'était un effet un effet bizarre, tout simplement. J'ai senti que c'était plus pesant et ce l'était pas. C'est parti pour les Rangers, Igor Shesterkin. Une base pour les Rangers, Igor Shesterkin. Pour les Rangers. Shesterkin, Canadien, très très bonne série. Oh, pour le Canadien de Montréal, Guy Lafleur. Pour le Canadien de Jonathan. Voilà, Guy Lafleur, base pour Montréal. Alors, on vous dit tous à Guy. Merci Guy, bon voyage. On pensera toujours à lui. Quel joueur a-t-il été? Hein? Quel homme également. On continue. Et je crois qu'on va faire un petit tour en Californie.
avec les requins. Et oui, en Californie, Nikolai Nizov, rookie sur 399. Alors, on a réglé un peu la question des requins pour Jonathan. Il dira sûrement, hey, c'est pas assez, on en veut plus. Mais Nikolai Nizov, 0,46 sur 399 pour les Sharks de la Californie. Nikolai Nizov, le prochain, est encore une fois pour les Rangers. Igor Shesterkin. Igor Shesterkin pour les Rangers. Et c'est numéroté sur 85. Alors, ça devrait être le numéro 65 de 85 pour les Rangers. Un petit coup de main pour les Rangers. Ah ouais, donc, c'est pour Martin. Igor Shesterkin, 65 de 85. Candidat et probablement, peut-être, pas sûr, mais très probable, gagnant du trophée Vézina cette année. Et on continue avec, pour les Flames, Calgary, Jerome Iginla. Et celle-ci est numérotée 67 sur 75. Une Century Momentous pour les Flames de Calgary de François. Century Momentous, Jerome Iginla, numéroté 67 sur 75. Juste ici, tout en haut, 67 de 75. Jerome Iginla. Alors, il nous reste une, deux et trois cartes. Celle-ci est-elle autographiée? Non. Alors, on n'aura qu'une autographe, mais allons-y avec, pourquoi pas, pour les Rangers, Alexis Lafrenière sur 75, protégé. Boum! Ah ouais, donc, Alexis Lafrenière pour les Rangers. Protégé sur 75. Let's go! Félicitations à Martin et ses Rangers. Protégé sur 75. C'est beautiful. C'est beautiful. C'est beau cette caméra. Elle est en mode auto-zoom, donc je vais l'enlever parce que je dois la repartir. J'ai dû redémarrer l'ordinateur et j'ai oublié de peser sur un piton. Mais très belle carte ici, Alexis Lafrenière pour les Rangers. Grosse boîte de Rangers, en effet. Grosse boîte pour les Rangers. Deux fois Shesterkin et Alexis sur 75 100 miles, juste ici. Alors, on a une autographe et en dessous, on y va avec la prochaine pour le Colorado. C'est une Martin Cote. Martin Cote protégé pour l'Avalanche. Alors, Martin Cote, c'est une insert protégé rookie pour le Colorado. Et notre dernière carte ici. J'ai pas mal compté, voilà. Alors, on y va pour cette dernière carte. Êtes-vous prêts? C'est parti! C'est pour les Panthers! Ah ouais, donc, ça c'est beau! John Van Beesbrough! Come on! Pour les Panthers de Dominique! Let's go! John Van Beesbrough pour les Panthers. Good job. Breezer. Ah, je comprends ça, mon Kevin. Je sais c'est quoi et je me sens toujours coupable et mal en même temps. Je suis désolé, mais quand même, on termine sur une merveilleuse note avec une John Van Beesbrough pour les Panthers de la Floride. Voilà, c'est le moment de faire notre récapitulatif. Tout le monde, on y va ensemble.
avec ceci et cela. Comme cela. On y va. Et s'avertit tout le monde pour le recap. Avant le début du prochain break, alors Martin Cote, Higginla sur 75, Chesterkin sur 85, Nisoff 399, Guy Lafleur, Chesterkin, Ryan McLeod, Rhys Johnson sur 175, Anthony Angelo 399 pour les Penguins, Henrik Sedin, Ilya Samsonov, Matt Kirsted, Giordano Jersey, Zach Jones, Jack Aiken, Barry Boulet, Jack Tadjuchois, Swayman, Dazzles Blue pour les Bruins, Rasmus Kopari, Michael Hauser, Burroughs, Dakota Joshua, Tory Krug, Clear Cut, Portraits de Robin Leonard sur 250, Black and White, Tanner Jeannot, Barry Boulet et Barry Boulet, Young Gun et Canvas, Jason Robertson pour Dallas, Rookie sur 3,99, une update, Rookie Auto sur 199, Barrett Hayton pour l'Arizona, Alexander Alexiev sur 199, les Caps, Bobby Orr sur 149 pour les Bruins, de Boston, une jeune loup de Cam York, John Van Beesbrug Breezer pour les Panthers, Protégé, Stature pour Lafrenière et les Rangers sur 175, et une Cole Caulfield pour terminer ce break numéro 321. Alors, qu'est-ce qu'on je vous dis? On se dit à tout de suite tout le monde. À tout de suite, puisque nous serons pour le break numéro 322 en direct dans quelques instants. Alors, on se dit 2 minutes. À tantôt, bye!